Bonjour, vous me trouvez en train de cuisiner et je prépare une de mes recettes un peu célèbre. Vous souriez, mais c'est que il semble qu'on aime mes carrés aux dattes. Alors, quand je vais en visite chez quelqu'un, j'en apporte avec moi. Ça me fait un petit cadeau d'hôtesse sucrément bon. La dernière fois que j'en préparais, je réfléchissais à des recettes différentes que j'ai collectionnées au fil des années. Puis, tout d'un coup, on dirait que mon esprit s'est mis à voyager. J'ai commencé à penser à une recette d'un autre genre. Connaissez-vous la recette du bonheur? Je vous le dis tout de suite. Notre ami Google en offre plusieurs. Bien des gens lui ont confié ce qui, d'après eux, peut assurer le bonheur. Personnellement, je ne me fierais pas trop à cela. En les consultant, je dirais qu'il y en a très peu que j'essaierais. Mais en y réfléchissant un peu plus, j'ai trouvé la mienne. Elle est simple et claire. Je l'ai trouvé dans la parole de Jésus qui a dit: Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. C'est simple et clair, mais je dirais pas facile. Ça oblige de sortir de soi, de ses petites préoccupations purement personnelles. Ça exige de se concentrer plutôt sur les autres pour les aider, leur faire plaisir, leur faire du bien. Allez-vous essayer ma recette? Ah, je veux dire, celle de Jésus. Si tout le monde le faisait, il y aurait beaucoup plus de gens heureux. J'en suis certaine.